Pour le grand public européen, l'artiste égyptien Adam Henin reste à découvrir, avec joie. Préférant depuis 15 ans les bords de la Seine, au rivage du Nil, Henin continue à travailler comme un modeste scribe d'une patience ancestrale. Loin des bruits, fureurs et intrigues, réfléchi et serein, il crée des sculptures et peint sur papyrus des formes rappelant ces mêmes sculptures. Adam Henin, ça fait 15 ans que vous êtes à Paris. C'est une très très longue période déjà pour vous. Est-ce que vous avez toujours l'impression d'être catapulté, c'est-à-dire que vous avez atterri tout à coup dans ce Paris qui est si différent de votre Égypte natale, ou est-ce que vous commencez à vraiment y prendre racine? Non, j'étais heurté quand je suis arrivé à Paris pour quelques temps, pour un bon moment, mais... Mais vous n'avez pas pensé rester 15 ans? Non, non, jamais. Jamais. Je suis venu avec une exposition d'échange culturel entre l'Égypte et la France. Oui. Et j'ai pensé de rester deux mois, trois mois, pas plus. Qu'est-ce qui vous a attiré dans Paris? Pourquoi est-ce que vous êtes resté? À Paris, je vis... des choses diverses, des quantités de travail énorme. Je me trouvais, je peux travailler beaucoup à Paris. Oui. Et comment ça s'est passé? Vous avez trouvé un appartement, vous êtes allé dans les musées, vous avez tout de suite commencé à travailler. Comment ça s'est passé en 1971? Nous sommes arrivés à la fin de 71 et nous sommes venus, nous avons trouvé une chambre à travers un ami en Égypte, mm-hmm. suisse, qui habite l'Égypte et a sa chambre à Montparnasse, au boulevard Montparnasse même. C'est une toute petite chambre, mais... Vous étiez content. C'est bien. Quand avez-vous commencé à aller dans les musées? Au début, j'ai promené beaucoup à Paris, dans le riz, regardant les meubles, les façades, des façades simples, des façades travaillées, les pavés de Paris, les cailloux dans le riz. Ça me plaît beaucoup, ça, comme ville. Mm-hmm. Et après ça, ça durait une quinzaine de jours. Mm-hmm. Après ça, j'ai commencé à regarder les expositions du musée. Est-ce que cette découverte de l'art occidental était un vrai choc pour vous, ou est-ce que vous connaissiez déjà les tableaux de nos maîtres? Au début, à Paris, j'étais heurté par l'intellectualité dans l'art. Mm-hmm. Et ça me fait éloigner de qu'est-ce que se faisait à Paris. Et après ça, je me suis entré quand même sur les pointes des pieds dans mais c'était à travers des artistes comme Kandinsky, oui. et Klee, grâce à la côté pédagogique dans ce travail. Quand vous étiez en Égypte, vous avez, il faut un peu revenir à votre enfance dans votre Égypte natale. Qu'est-ce qui a donné qu'est-ce qui a fait que vous soyez devenu peintre? Est-ce que dans votre famille, il y avait des artistes? Pourquoi êtes-vous devenu peintre? Sculpteur d'abord et ensuite peintre? C'était dans notre maison. Et mon père, il était un orfèvre. Il a fabriqué des choses, des petites choses en argent.
Il a l'habitude de... Il aime les belles objets. Mmh. Mmh. Lorsqu'un objet lui plaisait, il aimait de nous dire pourquoi il se trouve ça beau. Donc l'amour des formes, l'amour du travail bien fait, artisanal bien fait, nous vient de votre père. Oui, oui, ça c'était depuis le commencement. Et il était heureux que vous soyez devenu artiste vous aussi. Oui. Mais je me rappelle ma première visite au musée d'Égypte, au Caire. C'était avec le professeur d'histoire et toute la classe. Et nous sommes entrés dans le musée. Le professeur a commencé son cours. Et moi, j'étais éloigné d'eux, au milieu des grandes sculptures et des peintures. Et là, j'étais très, terriblement impressionné par ce que j'ai vu. Au fond, toute votre enfance a été très imprégnée par le grand passé de l'art égyptien. Oui, parce que je crois dans cette visite dans le musée. Oui. Toute ma vie était décédée dans cette visite. Parce que j'ai senti devant les sculptures, devant les pierres, les grandes. Et j'ai senti un sens d'existence, mm-hmm. un sens de. Éternité, mm-hmm. un sens du religieux, mm-hmm. ensemble. Et c'était un très grand moment pour moi. Et ça a décidé je crois que c'est marqué toute ma vie, cette visite. Et quand je parle de ça, c'est comme c'était passé hier. Vit à Paris dans un bel appartement pour lequel il a dessiné lui-même certains meubles, des cadres de canapé notamment, et dans lequel il garde des objets souvenirs comme des sculptures modelées au fil des ans. Forme équilibrée et sereine, reflet de l'état d'esprit de ce peintre au caractère attentif et réfléchi. Son évidente patience a quelque chose d'ancestral. Quand vous étiez dans cette petite chambre tout au début de votre séjour parisien et que vous avez fait beaucoup de dessins qui étaient au fond le souvenir de votre vie en Égypte jusque-là,
Est-ce que ce n'était pas un peu comme une moisson, comme une chose que vous avez composée, dans laquelle maintenant vous puisez encore et toujours les formes de vos tableaux actuels? Ah oui, je suis resté pendant 2 mois et quelques enfermé dans ma chambre avec une petite boîte d'aquarelle.